Na mboka oyo nzamba zali papa Jérémy. Tu nzamba zali te na sango yimara mboka sur les banda. Les temps sont toujours bayaka na mboka ba kufi ba ngoni surtout. Mais si nous vivons, c'est parce que la main de Dieu. La main, vous avez compris une chose, Israël est resté pendant 430 ans dans l'esclavagisme. Mais Israël appartenait à l'Éternel. Il était le peuple chéri de Dieu. Nous sommes le peuple chéri de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de vivre entre dans ce pays ici, les langages nzambe. Il y a d'autres personnes dans la vie, à bon temps mis la vie, je vais sacrifier mon toit, mes mains, mon toit, 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 cérémonie, ma salaka, mon toit, 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 et si tu es un bon gars, vous voyez, il y a des autres personnes dans la vie qui me tuent de me suivre. Au moins, je suis répété dans ma vie, rien ne change. Quand on pense à une peut-être la cérémonie, et jusqu'à aujourd'hui, ça marche avec toi. Pourquoi? La parole, c'est la deuxième personne spirituelle qui marche avec l'homme. Toujours. Ce que nous voyons, c'est les ténèbres. Et les ténèbres que nous voyons, ça finira. Dieu savait qu'il y a les ténèbres. Mais les ténèbres, ce n'est rien pour toujours. Les ténèbres finira. Ce pays appartient à Dieu. Et l'eau grave, on a la cobane, c'est un pays qui est beaucoup de Nzambé. Donc, on bika makambu mobo, on a une étape mobo, on a une étape mobo et bandela comme autrefois, on a une solution à moi, on a un salaire babi qui est au score balaté, on a un célibataire, on a un ndumba. On a un peu de temps, 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 on a un voilà, on est là, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes là, encore une fois, sur Équilibre TV, Jérémy Lemba. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Mesdames et messieurs, nous sommes là avec l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète Henri Mbillé. Il va essayer de parler avec nous sur les choses de l'esprit, mais également sur d'autres points d'actualité. Quant à moi, je remercie Maître Siza Soukama, puissance à m'équilibre, Maman Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Le vieux Batombo Bobo et Maman Lami Bekantoy à Londres. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou, nous sommes là. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir Papa Jérémy. En forme? Très en forme, Dieu nous fait grâce. Nous sommes bas en bon moment, Dieu nous fait grâce, ça va. Comme ça va, on va démarrer par la prière, papa. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre papa. Voilà, le bon moment est là. Comme il est écrit dans ta parole, si l'Éternel ne bâtit pas ce qui bâtit, bâtit en vain. Voilà la raison pour que nous venons encore près de vous, Seigneur, vous demander de commencer avec nous, de début à la fin, soit notre Dieu, demain et à jamais. Et bénis tout le monde qui va suivre cette émission, qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, l'homme de Dieu, nous sommes avec vous. Je crois que Ezara a toujours plaisir, Yohem Babino. Mon entier bon talabissou, boni d'abord, santé à l'église. Oui, santé église, ça bien, on avait l'activité, ce mineur, Zaïk Yohana, vraiment Dieu s'est glorifié, Nzambakoum Sikombonaye. Il y a eu des choses qui s'est passées pour la gloire de Dieu, il y a des vidéos, je crois que les autres vont, les amis vont voir ça, des choses que le Seigneur a fait, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. On a compris que Nzambazaka, Nzambo, Salamamnanengenaye, vraiment, tout marche bien par la grâce de Dieu. Voilà, tout marche bien par la grâce de Dieu, vous avez un jeune pasteur. Papa Ster, il y a tant haut tous les lots. Est-ce que nous allons avoir un Zambéza facile, papa? Bon, je dirais facile, non. Ça facile. Nous avons baki, nous allons au Yosa, nous allons au Sugi qui est dépendant, n'abîme pas tout. Mais tant que c'est Tikama, mais nous dépendons de Dieu tellement qu'il nous a appelé. Comme Moïse, il ne savait pas, au bateau, pas tenaillé, nous avons bengi. Donc c'est ça. Comme Dieu nous a appelé, on n'a pas le choix. Mais c'est le travail, c'est le travail le plus difficile. Oh yo, tu combats avec les esprits, tu te bats avec l'esprit, tu gardes l'esprit de beaucoup de gens. Donc si vous avez 100 membres, ça veut dire que vous avez 100 esprits, mais 200, 500 000 esprits qui te combattent, toi. Le berger de ces gens, parce que quand l'ennemi viendra en louka bandiba, toi tu m'as louka yo berger à éliminer pour récupérer ma brebis. Voilà la raison pour laquelle tu sais, mais balancer bauta la biseau l'anda biseau, c'est très important de soutenir les hommes de Dieu. Tout ces cabon kate, tout ma cabon ka respect, mais tu comprends que baza important pour nous, parce que ceux qui vont bazater, ils ont ma comme belé qu'ils ont la bente. Abbé dit, on frappera les bergers et le brebis va se disperser. Donc le berger là et vos prières, vos soutiens est très important pour les soutiens dans toutes les circonstances, donc dans la prière, dans le non, tout ça c'est très important pour permettre quand même les hommes de Dieu basés à la forme pour la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est bien. Alors je comprends que parmi vous, les générations et le lot,
ba faux bazali mais bino ba vrai bon travailler na douceur bon travailler avec la foi que un jour Dieu fera des grandes choses. Alors, nom de Dieu, est-ce que les Kambotali ba plein la masse, le nombre des gens, le nombre des fidèles, ils ont pas inquiétude na yo? Bon, le Dieu est belé à Batoza le commandement en Nzambe. Quand il y a aussi la foule, c'est la gloire de Dieu. Christ est marché de ville en ville, de village en village. C'est que ça attirait beaucoup de gens. Donc la foule, c'est bien. C'est pas mauvais, mais ça vient dans les temps où Dieu a prévu, dans les temps où Dieu. Donc, il faut avoir la patience pour y arriver. Il ne faut pas sauter de sauter. Il faut avoir la patience. Nzambe n'atinda abatu. Elle dit bobon de la colle langa. Aotinda basene langa na. Et donc la foule, c'est bien. C'est aussi bien d'avoir la foule, mais Dieu le fait par rapport au temps. Parce que tant na yekoki, l'impossible devient possible. Otolou la koto mona misika et ya pembe na biso. C'est le problème temps de Dieu, papa Jérémy. Voilà, l'homme de Dieu, mon Nantiba Otalabiso, quelle est la différence entre Henri Mbillé et d'autres pasteurs que nous connaissons sur Internet, dans la télévision? Votre particularité, votre grâce, Esa, je dirais, ça crée la différence dans mon manin. Oui, d'abord, il y a trois sortes que je peux parler. La première des choses, Henri Mbillé croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans sa vie, il croit que Jésus-Christ est capable de tout sauf rien. Et il a toujours dit que tout le monde peut échouer, mais son Jésus-Christ de Nazareth ne peut jamais échouer. D'abord, c'est ça la différence. Et puis de deux, je ne prie pas aux gens. Je ne présente pas les gens Mbillé, mais je présente les gens Jésus. Donc comme Jésus est ma force, c'est ça la différence. Au moment où tout le monde s'appuie sur quelque chose, s'appuie sur autre chose, mais moi, Henri Mbillé, il y a ma force à moi, et c'est avoir d'abord un Jésus-Christ comme un appui de Dieu, avoir la crainte du Seigneur. Parce qu'il me dit, quand on a la crainte du Seigneur, voilà un peu la force de pasteur Henri Mbillé. Donc c'est ça la différence. Donc juste la crainte du Seigneur, et puis de prendre Jésus-Christ comme une référence, une force. Et c'est ça. Quand tout le monde témoigne, tu es témoin, tu dois témoigner, même dans l'église, tu es témoin. Ce qui se passe dans l'église, des grands miracles qui se fait là-bas. Référence, tu témoignes, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est mort, il est resté. Ma force, c'est Jésus en émo. Votre force, c'est Jésus-Christ en émo, ça c'est bien, aux Congolais, aux patriotes, aux hommes à venir un beau chaos spirituellement, comment? Parce qu'on nous dit que les pays sont sous tension spirituelle, l'insécurité spirituelle, il y a des morts partout, il y a des problèmes partout, il y a la famine, il y a la faim, il y a les chômages, il y a les blocages partout. Est-ce que Mbokao, le Boko Nzambe Zalia ou bien Mbokao photo Lukasu Nzambe na Bozindo? Na Mbokao Nzambe Zali, papa Jérémy. Sur Nzambe Zali, tu n'as sangu yumara Mbokao sur les bandes. Mais tant sur votre zoba, bayer na Mbokao, mais dans Kufi Baroni surtout. Mais si nous vivons, c'est parce que la main de Dieu. La main. Vous avez compris une chose. Israël est resté pendant 430 ans dans l'esclavagisme. Mais Israël appartenait à l'Éternel. Il était le peuple chéri de Dieu. Nous sommes le peuple chéri de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de vivre entre dans ces pays ici, ils ont langage à Nzambe. Dieu seul sait comment il va se passer. Mais pendant que je priais, moi, le Seigneur m'a convaincu cette année ici, la grâce de Dieu sera là. Nabi année de Zahou. Tout ce que vous voyez, il dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Ce que nous voyons, c'est les ténèbres. Et les ténèbres que nous voyons, ça finira. Dieu savait qu'il y a les ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres finiront. Ce pays appartient à Dieu. Mboko ezamboko nzambe nzambazana mboko yo et loko grave on la ko banga zambi ki mboko ezanzambe mais ba tu bazo ku febele na mboko ngo nzambe papa. Oui, effectivement, c'est vrai, je vais pas refuser même Israël en Égypte dans Koufaka. Ils étaient un peuple de Dieu, mais ba Koufaka te po et ça ba ku famesa ki nzamba linga ki ça mabongo. Mais Dieu sait que mboka o ezai kala mingi te na mpe de temps awa. Nous préférons, nous parlons de bien pour notre pays. Dieu va et ba de soi nous ta poto bazo na mboko yo ya ona sikandu kwaza na poto wala rovana te metonga pe na mboka na yo. Parce qu'il y aura un temps où le peuple congolais cherchera à rentrer dans les pays comme tous les peuples d'Israël. Ce pays appartient à Dieu. Quand tu donnes l'opportunité, la facilité, tu n'es pas là pour demain, mais tu rentreras dans ton pays. Et ce pays sera bien et nous serons tous contents de notre pays, papa Jérémy. Voilà, ça c'est bien. Alors, à venir, il y a Mokondi Mboka au sommet de l'État. Par rapport à l'État, on suit sur l'Afrique de l'Ouest, et aux moments, on a un coup par-ci, par-là, aux moments, on a un pouvoir réseau. Pour la Congo, est-ce que c'est encore possible tous les Mokondi Mboka Mboka Mboko? Non, parce que nous sommes là, 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 nous sommes là,
président Kabila, un temps Mobutu s'est passé. Il y aura le temps où attendant ces oies forces, il y aura des remplis présidents quittant à Zanabomoy, les présidents remplaçants à Zanabomoy. Ça va se passer comme ça. Le Congo n'est pas seulement. Et c'est quand on doit se diviser, non. Le Congo est le temps où, comme un moment où ils ont la inipe force. Tout ce que nous voyons, c'est que nous avons Zabi bako katanyo ka mutu me mukile ko bouger et ko bangi sa pe batu me loko zate na kongwe loko makasi soute parce que le moment est là o nzamba o tabli makame petit à petit o bi yeso bota maki pour venir libérer les gens, sauver le monde, mais azri non bébé, ça veut dire les gens souffraient mais Dieu était là. Donc Jésus peut être là, mais les gens souffrent. Moïse était là comme un libérateur. Moïse était né, mais les gens souffraient. A toujours l'Égypte, mais les libérateurs étaient déjà là. Donc Dieu, le temps de la libération est déjà là, mais le temps encore est au débit. Les gens ne voient pas ça. Mais il y aura un temps où Moïse va grandir, il y aura un temps où Jésus va commencer son travail. Et c'est ce qui va se passer, Papa Jérémie. Kongo est en Zambé, Mboko est en Zambé. Jésus est là, Moïse est là déjà. Mais Bazon va bébé, Bazon va l'amiqué, ils ne peuvent rien faire. Mais les libertés sont déjà là. Et les gens qui ont l'esprit, les yeux spirituels, ils veulent moi beaucoup. T'en oublies pas bleu quand on lit. Beaucoup, toi, dans un mis, dans un barbeau qui est mis salam. Beaucoup les gens seront bien dans ces pays congolais ici. Papa. Mais il paraît que Congo a envahi un esprit de mort. L'esprit des morts, non, l'esprit des morts, ils ont bitumbo ezeya, mais bitumbo les ténèbres ne régneront pas toucher. Cet esprit-là que les gens voient, ça ne régnera pas. On vient nous combattre par rapport à ce qu'il y a dans notre pays. On vient nous combattre par rapport à l'étoile que les gens voient dans ce pays, papa. Donc, beaucoup de monde n'a tiré des points dans le Congo. Et ça ne sera pas facile. Et vous allez voir qu'il y aura un temps. Nous sommes des prophètes, papa. Vous allez voir. La prophétie pour notre défaut, ah, vous avez ce qui est arrivé. Bah, tout ce moment, nous sommes prophétisés. Bah, dans 2022, dans 2022, ils ont un moment, il y a un coup, il y a un coup, il y a un coup. J'avais prophétisé, c'est battement aux appels, nous avons mis un temps, l'ouamour a subi parce que l'état des sacrifices va dans sa bébé et cela a accompli aujourd'hui le lezer que ce pays Congo changera, les choses changera, la paix entrera dans notre pays. Donc, couvre son compte en bocaté à rosa la paix 2023. Nous avons la psaume grâce, tout va marcher encore pour la gloire de Dieu. Voilà, ça va marcher par la grâce de Dieu. Bien dit l'homme de Dieu, bandego belé baroland abisso. Être avec un serviteur de Dieu a toujours été un grand plaisir. Alors, c'est vrai, beaucoup t'en arrivent à ka et belé, papa. Tout ça, la peau, ça, kaka, tout ça, mais la raté, beauté est raté. Mais est-ce que la solution aussi, ils ont la bande? Papa Jérémy, je crois que tout le monde a une question. Les résultats, c'est ça les grands problèmes. Je crois que tout le monde a une question, peut-être Zakapo, Bandego, Baïbinante, Baïba, mais dis-moi, vous êtes témoins, tout le monde, les caméramens sont témoins, tout le monde sont témoins. D'abord, on a mis en église, Awa, papa. Tout ça était pour nous couper cette plébiscite Nabisso. Le Jésus que nous parlons, il est vivant. Quand on l'avait dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On ne parlera pas de. Il est le même si les choses qu'il a fait hier ne se manifestent pas aujourd'hui. Donc nous parlons qu'il est le même parce que Maman Sala Kala et Samakino Lelo. Moi, dans mon ministère, il y a beaucoup de gens qui ont de me suivre et maman qui ont de me suivre. Et je ne peux pas dire les témoignages. Moi, une maman que j'ai pris pour elle avait l'aide d'épilepsie de 52 ans. Pendant, elle a 52 ans, elle a eu une épilepsie pendant pour moi. Et Azoua Kindokyongon, bon, il était sur mais il va quitter inconscient parce qu'on est allé le boum. Je ne sais pas si vous avez un mito, ça va prudente. Pourquoi? Parce que ça t'a combattre au bandali boucané. Que Dieu a dit, j'ai choisi Jérémie de le ventre de sa maman. Mais c'est que les diables choisissent ses disciples de le ventre. Maman, que sont ma belle alliée, c'est le ventre qui est passé dans l'église. Amen, sont ma belle, ta bataille, maman, ma coco, bataille, ma belle. Azu ma belle, alingalia wabi, maman a tenu, osana zem, il y a combien de mois? 3 mois. Tant maman lingalia ma belle, allié ma belle mouquet, alors qu'il passe un liboum. Maman lingalia. Soi acha yemo ko ko na di soi acha li bon mama wana erreur tant acha soi bon mama na depuis jour wana mwana koti kindo ki sa le savoir et la mama azoko la boti mwana mwana pa boti ba se li pe mwana fete boti ba se pe li fete ok mwana ko na kindo abandon l'épilepsie à l'âge de 10 ans. Si maman comme 52 ans, maman qui est poto, malade n'a pas qu'une autre mingana, n'a ça pas marché. Je crois que maman Zolandanga, maman Kola Pambolo, maman Mireille, Zamba Pambola, on a prié pour la maman. Tout ça, Mbeli pour nous dans le téléphone. Dieu du ciel lui a guéri. Ce qui m'a tolé dans l'église, maman Mireille, il y a son mission, m'a dans l'église, par rapport aux ambassades de la vie. Je comprends pas, Jérémy. C'est pour dire que Dieu existe, il est le rémunérateur de tout le monde qui le cherche. Tant que nous cherchons l'éternel, tant que nous prions Dieu, il y a toujours des miracles. Papa Jérémy, tout le monde a société à la ponanine. Il arrive des fois, la foi. Cela veut dire quoi? Au monde à Moutou, à qui semble la ponamoutou, mais à lui révélation malade à Moutou, oui, oui. C'est ça d'abord. Il y a un monde qui est sur la délivrance, jeune et prêt. Ça veut dire, ceux qui baillent que le basque est une révélation, ils vont comprendre que non, toi je n'ai pas tout ça la délivrance. Mais comme les disciples n'avaient pas la révélation de comprendre que non, les camamoutou, il faut boy, il y a un monde qui s'en va, il y a un monde qui s'en va, il y a des délivrances qui se fait.
mouta seli acte sa foi nzamba kangolie et de force ça la maki mouto prier kapona yo sans mbon nzamba et de force c'est na ke mouta gêner nzamba donc ça veut dire tout de l'œuvrance et ça la mandenge nzamba linga ça la mais à travers l'inspiration. On ne va pas gérer, mais ça veut dire que l'inspiration est très importante. L'inspiration est bien pour la gloire de Dieu. Et c'est lui qui prie avec une révélation. C'est un peuple qui priera pour voir la délivrance. Mais Moutassa Melaka, sa révélation, il va commencer à prier à gêner. Na Sambela, na Gena, na Kaba, na Pesa. Mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Est-ce que ton corps demande c'est mal la prière? Est-ce que ton corps demande c'est mal les jeûnes? Est-ce que ton corps demande c'est mal l'offrande? Papa, moi, j'ai une personne qui m'appelle. Alina sur l'offrande naboui. Dieu m'a pas béni sur nos offrandes naie. Oh oui. Abenga papa n'a pas béni naboui mais continue parce que ta prière ne demande pas l'argent. Je prie pour la personne et dans la salle des miracles. Dieu vivant, Dieu souverain, papa Jérémy. Donc il y a des témoignages dans ce que Dieu fait. Tu es témoin de ce qui se passe dans l'église. Au monde à Onzamba Salaka et tu sais comment ça se passe et Dieu se glorifie. Il y a des prophéties où tu appelles surtout Abengio yebe ton monde a été mais vous sambe naie. Dieu révèle des choses cachées. Oya monde ta yebate vous sambe naie moni bika moi et Dieu existe. J'ai pas besoin de donner des témoignages, mais c'est lui qui va appeler, il va témoigner comme les autres témoignent. Dieu témoigne, ceux qui sont épileptiques aussi, là, ceux qui marient des nuits, ceux qui font des nuits aussi dans la prière, c'est que ce que tu as comme problème, Jésus est capable de sauver et de guérir ta vie. Crois seulement, ouvre seulement ton cœur. Jésus est capable, pardon, il peut te pardonner le péché, il peut te sauver ta vie, il peut te restaurer, il peut te réparer, il peut te reconstruire, il peut te remonter encore, il peut te redonner encore ce que tu as perdu. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Quand on croit, il y a un miracle, papa Jérémy. Voilà, quand on croit, il y a un miracle, l'homme de Dieu. Mais pourquoi Bino Lelo, Bozo Pesa plus attention à la prophétie que la parole de Dieu? Bon, tout est important. Tout est important, la parole de Dieu est importante. Il y a des autres personnes qui peuvent être guéries dans la parole. Si elle a la foi, j'ai parlé de Jésus. Si elle a la foi, le nom de Jésus peut entrer dans sa vie. Moi, je connais, j'étais parti à Idiofa prêcher la bonne nouvelle. Parce que j'ai une église là-bas. Idiofa, Nabandundu. Les gens qui sont à Idiofa en train de me suivre, je lisais la parole de Dieu. En lisant la parole, les gens tombaient, les gens étaient guéris seulement en lisant la parole de Dieu. C'est pour dire que il y a des autres mamans. Une maman qui m'a appelé, j'ai commencé à parler en langue, j'ai pas compris. C'est parce que maman Koué a dit que sans abilo, a dit que sans abilo, il y a 51, a réglé malamoko et Dieu a fait gazander que botati. Donc Dieu peut faire dans la parole, mais il y a aussi des cas. L'homme invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Ça, l'homme sur la vie, papa Jérémie. Moutaye bi source dans ce que vous tâtez. Je donne un exemple. Oui. Anne a qui considéré un esprit qui s'appelait Dieu. À qui consiste cet esprit-là s'appelait Dieu, lui a dit ceci, tu auras un fils, il s'appellera, tu auras un fils sera mal. Azamwana Mobali et nanana nanana. Quand Anne était partie consulter cet esprit-là Dieu, Samuel n'était pas là. Un, de deux. Son père n'était pas là et c'était que Anne. Donc Anne a cette alliance moko au Samuel a habité. Et qu'est-ce que c'était dit? Na kata relation na biboyi. Ton obota mwana na okabela yo mwana a ozala ya yo. C'est-à-dire Anne a déjà azoki sacrifice taye a bonzeli un esprit qui s'appelle Dieu. Et ton Anne a bota ki Samuel, papa Jérémy. Biboyi. Donc nezana ata Samuel ba ki na koma gouverneur, ali na koma ngote. Ata Anne ba ki na koma ata Samuel ba ki na koma docteur, ali na koma ngote. Pourquoi? Parce que ba dédié ba sacrifié qui est déjà ba kamba qui est déjà déjà que nous avons la Nzambe. Vous comprenez? Il y a d'autres personnes de la vie à botami la vie naïe n'a bon moi n'a pas sacrifié moutoua mema yé biété moutoua laissa ya yé biété moutoua laissa yé biété yé biété cérémonie basala kaye aye bien moté au balinga ka koma na vie aye bien moté donc au bika makambu mobo aux an étape mobo aux an lika mobo et bandela kama autrefois au luka solution n'a moïse moussou basala et babi que noyo au tsko balate aux aka célibataire aux aka ndumba moussou et bise que noyo botra n'a pas para soit c'est que vous avez femme seule. Donc il y a des choses qui basent la cérémonie mon abou moi nanayo au yeba kaya ngote et c'est un peu dans Samuel nous sommes bien là ils sont couverts pour la non bien aimé dans tous les cas question mon quoi Anna t'as réussi à nous amener que non Samuel aux amoussel naie est-ce que même Samuel avait voulu être avocat à l'ingaz à la honte pourquoi parce que à régionner qui malba oyo pas maman à l'oba qui est pour sacrifier qu'ils aient battu sous obika oyo bas sacrifier bas l'oba pour nous dès le bas âge. Obika oyo balo pona yo na makamboza dabumwana na bumwana na jeunesse na yo na oba mta memaka yo mutuwa memaka za moi je connais une femme
lelo nzamba kangolai Aïcha aki mwana mwasi mokito kona kai quand tout le monde regardait personne n'avait donné la malchance qu'il y a ozala muta malam ya ozala muta mabe tout le monde disait que cette femme ozala gouverne abala gouverner sous gouverner était abala ministre sous ministre était abala kinganzoka Aïcha wana na bumota nga bota maka maman na bango abango bota te akende panganga pe sei mwana wana to ke panganga ngazi mwana na celle sire mabi mwana oyo ozaka pona sala bino mbonga ozala ndumba et cette Aïcha là a looki li bala ta niveau nio surtout ça ne marche pas et tout le monde a mi bala mbonga aoya avana na ite mi bala ya bi aoya bavana ite mi bala nomba aoya bavana ite donc mi bala o bazanga tina ni mbali baza pona yi et tina suka ake bala na un chege bavana la lukuna mbinza defo sa lu je grandi ake bana la lukuna na sena recoin Aïcha a souffri et Dieu par sa grâce un jour j'étais parti prêcher là-bas j'ai raconté la sœur on a prié avec elle. Nous avons délivré aujourd'hui la sœur aux États-Unis, c'est parmi les sœurs qui nous soutiennent. Nous avons délivré pendant ma big savine et quand on priait pour elle, esprit yangangla bakanabi, biso sito balayé. Et si to pesa mbonga ni banaza biso za binoté. Beaucoup zoyété beaucoup libéré yété. Vous voyez, il y a des autres personnes dans la vie qui me tuent de me suivre. Mona makamo que se répète ma na vie na yo, rien ne change. Qu'on passe mec une orgie na yo, peut-être la cérémonie moins salamaka. Likamo salamaka. Et ma mosso loba liko na yo. Et jusqu'aujourd'hui ça marche avec toi. Pourquoi? La parole, c'est la deuxième personne spirituelle qui marche avec l'homme. Peut-être que tu es longo. Et tant que tu n'es pas encore libéré, tant qu'on n'a pas encore délivré ta vie, on ne t'a pas encore libéré dans la prison du diable, tu ne verras pas ta délivrance. Tu n'as pas le droit de chercher ailleurs. Mais ton problème, c'est quoi? Chercher d'où viennent ces problèmes. Il y a une émission avec Papa Jérémy. Il y a certaines choses, ça demande que la prophétie, la vision. Ça veut dire, au talim, tu te dis que non, yé, vine, ça, oh, t'es ça, oh, ça, oh, ça, oh, ça, oh. Bon, quand t'as profondeur, ben, ça m'a révélé ma cambo, kacha, vinaïe. Oh, ça, mais le bon, mimi, si, mout. Papa, quand on ne connaît pas là où la personne est emprisonnée, on ne saura pas lui délivrer. Si la personne est emprisonnée à Lubumbashi, jamais tu peux lui délivrer ce qui chasse. Donc, faut pas dans Lubumbashi, vous faut lui prison à Lubumbashi, bon, mimi, si, mout, à Lubumbashi. Ça veut dire quoi? La Lubumbashi, par exemple, c'est le monde spirituel. Est-ce que tu as mais la spiritualité, la prophétie, la vision, peut ouvrir les yeux pour faire voir que non, il faut libérer la personne. Voilà ce qui est plus important, papa Jérémy. Voilà, le message est passé, c'est tellement clair, exhorté Bandeko par rapport à l'ignorance et Bélé, par rapport à d'autres points spirituels très importants. C'est à vous de les mettre en pratique, mais également de contacter les hommes de Dieu en cas de problème. En cas de soucis, des inquiétudes, c'est vrai. Au bengana gauche, au bengana droite, au bengana banganga. Mais il faut savoir faire le choix aussi. Savoir aussi sélectionner les bons. S'il y a des gens qui ont la volonté de vouloir vous aider en priant, il faut y aller. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Le numéro de l'homme de Dieu est affiché au bas de vos écrans. Pour toute communication, message, appel, prophétie, prière, l'homme est toujours disponible. Quant à moi, je dis un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires pour la confiance. L'homme de Dieu, ici, peut-être, il y a aussi un message clé dans la bande de Koyo, Bazo Bila Nanzoto. Voilà, merci beaucoup. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Pour toi, la bise de Kati, il y a audio, il y a plus 243 89 80 78 003, plus 243 89 80 78 003. C'est votre le numéro de votre humble serviteur, le pasteur Henri. Nous sommes là disposés 24 sur 24. Nous sommes là pour vous. Si vous appelez, au moins qui est l'équipe, il y a un bite, peut-être nous sommes en prière. Mais si on voit votre numéro, on peut vous rappeler parce que c'est notre travail. C'est que je peux dire aux enfants de qui train de nous suivre, aux gens malades, aux gens problèmes, et que ben, belé, il y a avec 3 secondes, je vais te dire une chose que la Bible dit, les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Vous savez, c'est différent de parler des choses oyo, oyo, kana, oyo, vivra, yo. Moi, j'ai vécu Dieu. J'ai vécu la grâce. Je suis venu à la grâce. Je suis venu un bon matin. Je suis venu à la grâce. Mais c'est la réalité. Pour raconter mon père spirituel, il y a des choses que moi j'ai vécu. Je dis, papa, en tout cas, je vais servir l'éternel. Dieu est comme ça. Donc, on a dit, 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 on a. Je ne suis pas là pour autre chose. Pour te dire seulement que le Seigneur est capable. Les ténèbres ne régnera pas pour toujours. La lumière de Dieu apparaît. Dieu connaît qu'il y a les ténèbres. Dieu connaît qu'il y a les problèmes qui sont dans ta vie. Mais Dieu connaît ce qui est une solution qui est établie devant toi.
en toi. N'hésitez pas. Pendant que je priais, il y a des gens que le diable a envoûté, le diable a sorcelleré, le diable a engroupé pour dire que non, tous les hommes de Dieu sont faux. Non, écoutez-moi, Dieu ne peut pas manquer de serviteurs. Dieu a ses serviteurs qu'il a prévu, qu'il a établi au bazar capable de ressourcer. Elia Binzam, Natska Linga, Moukola Bité, Osaïo Modi, j'ai encore des prophètes qui sont là. Ma soeur, mon frère, tu es malade. Tu as des problèmes qui te dérangent. Nous ne sommes pas là pour t'intimider, pour te dire que non, nous sommes spéciaux. Non. Mais nous voulons te présenter jusqu'à Jésus-Christ. C'est lui qui est capable de sauver ta vie. Oui. C'est le Dieu à qui nous avons crié. Nous avons aussi, nous étions malades. On avait aussi des problèmes. On n'avait pas encore la foi. C'est le temps de donner ton cœur, ta vie en Jésus-Christ. De le Seigneur, de le recevoir comme, Seigneur et Sauveur. D'abandonner les péchés et les mal. Et de suivre Jésus-Christ de toute ta vie parce que le moment est vers la fin. Christ est revenu. C'est le bon moment. Et c'est le Messie qui peut vous parler. Mais tu peux être malade. Tu as des problèmes, des difficultés dans votre vie. Je peux vous dire ceci. Cet après-midi, Jésus-Christ est capable de tout. C'est par ses maîtres ici que nous sommes sauvés. Frère, la mort de la croix est réelle. La résurrection est réelle. La résurrection de Jésus est réelle. Ce que tu as appris dans la Bible que Jésus a fait, ce sont des réels. Et Dieu a ses serviteurs établis et donnés. Essaie avec les hommes de Dieu. Dieu te va t'aider à travers. Tu as des problèmes, des questions. Tu veux savoir une profonde, une personne, quelque chose qui te dérange, des problèmes. Maman, bébé, bébé, la vie n'a eu une zambaz. Et là, maman, moi, ben, gai, tout sur l'année, maman, attention, ou toi, ça n'apporte pas. Yoan, on n'a pas tout. Azan est l'amba linga a pesa yo maman Paola en train de me suivre. Azan est l'amour Azan est turquie. Mitsu linga est l'amba pesa olata. Nanana nanana. J'ai expliqué la maman. J'ai dit même mettre le nom de la personne qui devait amener l'habit à la maman. Vous comprenez ça maman? Ça veut dire elle comme ça linga ça la melayo. Oser hésiter mais oh Kenza malinga quand on le camoufle. La maman sur le terrain l'amba wana. Peut-être elle devait mourir. Mais mon linga propre yaye. Amina Zana Turki, à ce moment-là, on peut se le cadeau. Or, quelqu'un qui a un cadeau, on peut se mobile cadeau. On peut se mobile le cadeau. On peut se le cadeau. On peut se le cadeau. On et quand la sœur à maman a appelé, on a prié avec la maman. Dieu a révélé que la maman devait être tenté dans le camo et à coup fois bloc au moins bongo et la maman m'a tout comme les kingandi à qui n'a pas tel à ce belamba à la caca au perso cadeau voilà que la maman dépasse qu'à chez boué et s'il n'avait pas appelé l'homme de Dieu comme son bon lien comme un atteint comme on a prouvé que Dieu est capable de faire tout dans la vie d'une personne sauf personne. Dieu est capable de tout sauf personne. Dieu est miraculeux maman et c'est l'éternel encore. Dieu est encore vivant. Tu n'es pas là pour nous appeler seulement pour l'argent, non. Tu nous appelles pour te soutenir dans la prière. Sans une moutou, à ce moment-là, ma bonne délit, et ça, il y a comme mal à mon avis. Voilà ce qui est plus important. Nous sommes disposés pour vous notre numéro là sur le bas de l'écran. Appelez-nous, on va vous aider dans la prière, on va vous orienter dans la prière, et le Seigneur Dieu bénisse, qui bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre, et suivez notre chaîne Équilibre TV, notre chaîne de. Mais au petit conseil, tu es dans le cours, tu es exposé, tu es là, qu'on sort. Et puis il y a une fausse prophétie, comme moi, je suis dans l'église, et comme je suis dans l'église. Les gens parlent, mais parfois, et ils tapent à côté, tu vois, non? Ils ont ça bien mis, ils ont bien mis, ils ont bien mis, ils ont bien mis. Il y a des prophéties, ils ont mis un lobby caca par sentiment, parce qu'il a vu, il a senti, et puis il y a un lobby, mais ils ont une inspiration divinité. Tout ça, ils ont bien mis un anti-valeur et côté, dans le corps du Christ. Déjà par rapport à cela, tu peux glisser quel mot? Merci beaucoup, mon papa Jérémy. On est sur un mot aux serviteurs de Dieu parce que vous posez des questions qui sont importantes et pour aider la population. Vous nous la chaîne, Abisho, Boza Béni. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez de la grâce de Dieu. Papa Jérémy, le monde œuvre la fin. Ça veut dire qu'il y a des infiltrés dans ce travail de Dieu. Ça veut dire infiltré, côté de Moussala Oyebele, Moussala Oyebele, Moussala Kanganga, Moussala Magicien, Moussala Kingandi. Moi, je suis professeur, je suis un vieux homme. Je sais que Mouto, c'est le babouche, c'est professeur, Azaya Nzambé, Nzambaboy, il m'a bien comme la Moutouana. Il y a un autre qui Salami Bongo. Vous comprenez ça? Dans le temps, parce que Mitaka, là, vraiment, dans le Sengabino, il y a ici, bon, Ezamambo, tu yoki, tu vivras en haut, mais dans le Sengabana Nzambé, bon, ça l'a pris dans. Bon, il débat ça la Nzambé, bon, c'est pour la prière. En fait, il y a des gens qui sont dans ma bonde il na banzem na bango et ceux qui m'avaient comme les bango to il na bango tout ce que bango te mais tout soutenir bango ma prière est important parce que le diable travaille 24 heures sur 24 heures pour détruire les enfants de Dieu. Alors nous devons être forts entre nous et forts dans notre camp pour combattre les diables. Ne laissez pas les diables prendre la place de vos frères. Ne perdez pas dans un combat quand on perd de zéro, c'est pas bien, c'est des avantages. Soutenez-le dans la prière. Je peux mettre tous des commentaires là-bas, soutenez dans la prière et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est bien, c'est tellement sage. Je crois que nous devons soutenir nos frères et sœurs. Tout pousser, on va divorcer parce qu'ils allaient volonté à diable. Beau divorcer, beau cabon, alors que ce n'est pas ça la raison. Dieu est au contrôle de tout. Merci à vous tous. Soyez bénis, soyez richement bénis. Abonnez-vous massivement sur Équilibre Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement.
sur la même chaîne avec d'autres invités, toujours avec les mêmes plaisirs. En tout cas, restons en contact et restons ensemble pour de vrai. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Vraiment, que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre. Je bénis vraiment tout le monde qui nous donne des conseils, qui prie pour nous. Maman Christine là-bas, en Canada, Maman Christine, vraiment, de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse beaucoup. Pour Papa Maman Brigitte, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que tout le monde qui nous soutient vraiment dans la prière, Maman Abby, vraiment en France, Maman, que Dieu vous bénisse beaucoup pour vos conseils, vos prières pour nous. Et Dieu du ciel est vivant et Dieu vous bénira beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, le Zomba là de Madrid. Et merci à Maître Siza Soukama, puissance amie Kili. Encore une fois, il y a Guillaume Atone de l'Homme Portable, il y a Papi Ngolo de la Louvière. Et on n'oubliera jamais Clotilde de Bondo, les plafonds des Rennes, Assadie, ma force est tranquille. Merci à tous ceux-là, à tous ces amis qui nous soutiennent toujours. Et à bientôt. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup.